Champagne est d'abord très heureuse d'avoir un certain nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tous les Champenois sont impliqués et motivés pour valoriser ces inscriptions et le faire savoir dans le monde. Pour le moment, grâce à nos petites bulles, notre région s'est mondialisée. Mais maintenant, nous voulons la mondialiser grâce à ces attributs de l'UNESCO que nous avons comme trésor. Et pour symboliser ça, dans la Champagne, qui est une terre où nous avons eu beaucoup de guerres depuis le IIIe siècle, et en particulier au moment de la Première Guerre mondiale, la Champagne est devenue une terre de réconciliation, puisque c'est là que l'Allemagne et la France se sont réconciliées. Et donc, nous avons créé un événement qui s'appelle le Séjour des réconciliations UNESCO, qui aura lieu tous les ans avec une marche des réconciliations, où on viendra du monde entier se réconcilier, petite réconciliation, moyenne, grande, entre familles, entre villes, entre villages, entre pays, pourquoi pas, et autour des valeurs UNESCO, la paix par la culture et la science. En tout cas, la Champagne se veut exemplaire et rendre à l'UNESCO ce que l'UNESCO nous a donné récemment avec ses classements de nombreux sites en Champagne. Ce qu'il y a eu d'important dans l'inscription de ces sites, c'est qu'on a inscrit des caves, des coteaux, des maisons de Champagne, et aussi on a créé l'idée de zone d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a 325 communes de Champagne qui font partie d'une zone d'engagement UNESCO, et ce qui fait qu'il y a une implication non seulement des sites, mais de toute une population, de toute une région. Et ce concept de zone d'engagement, nous le devons à Pierre Cheval, mon prédécesseur, qui a lancé cette idée, qui a été reprise au sein de l'UNESCO. Donc c'est toute une région qui se mobilise maintenant pour faire aussi briller les valeurs de l'UNESCO. Ce n'est pas uniquement la Champagne, mais nous sommes des ambassadeurs mondiaux du travail de l'UNESCO et de ses missions régaliennes. C'est en ce sens-là aussi que nous concevons notre mission. Pas uniquement la Champagne, mais être des promoteurs des valeurs de l'UNESCO dans le monde, peut-être par l'intermédiaire de nos bulles de champagne.